Il faut ici développer l'expression a plus b au cube. A c'est un réel et b c'est un réel. Alors pour faire a plus b au cube, nous allons écrire que a plus b au cube, c'est a plus b au carré multiplié par a plus b. Hein? Effectivement, ici vous avez a plus b, c'est a plus b puissance 1. Et si je fais 2 plus 1, je retrouve bien a plus b au cube. Donc est égal a plus b au carré, c'est une identité remarquable que l'on doit connaître par cœur, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Multiplié, donc le multiplié je ne l'indique pas, hein, je peux mettre aussi un point, multiplié par a plus b. Et je vais distribuer. Donc a carré fois a, ça me donne a au cube. A carré fois b, ça me donne a carré b. 2ab fois a, ça me donne 2a carré b. 2ab fois b, ça me donne 2ab carré, je continue en dessous. B carré fois a, ça me donne b carré a, ou bien ab carré, c'est mieux. B carré fois b, hein, vous voyez, j'ai fait b carré fois a, et ensuite b carré fois b, ça me donne b cube. Je simplifie. Donc, a cube. Alors j'ai ici les termes en a carré b. J'ai a carré b et 2a carré b. Ça me fait 3a carré b. Les termes en ab carré. J'ai 2ab carré et plus 1ab carré. Ça me fait 3ab carré. Et il me reste b cube. Donc voilà une nouvelle expression qui n'est pas très difficile de connaître par cœur. A plus b au cube, ça me donne a au cube. Plus 3a carré b, plus 3ab carré, plus b cube.